à tous, c'est Pan, nous revoici pour déjà le 10e épisode sur ce Let's Play Legacy. Donc dans le dernier épisode, elle avait commencé à accoucher. J'avais bloqué juste à ce moment-là. Du coup, on va aller voir ce qui se cache. Et je vous rappelle ce que c'est. Qu'il faut. Non, je n'accompagne pas. Qu'il faut un petit garçon, vu qu'on alterne à chaque génération. Donc, on va croiser les doigts. Je lui ai pas fait manger de carottes rien du tout parce que je veux pas ça. Donc ce sera vraiment totalement aléatoire. Je sais pas du tout combien il y en a. J'avoue que son ventre m'a fait assez peur. Allez, un petit garçon, un petit garçon, un petit garçon. Et c'est un garçon, génial. Ça c'est cool. Sasaki, non, déjà tu t'appelles Legacy. Tu t'appelles Legacy. Alors, donc j'ai dit qu'on suivrait l'alphabet, donc ça va être que par A. C'est un petit garçon, et c'est mon fils aîné qui a eu la bonne idée de me donner son prénom. Donc ce sera Anakin, comme Dark Vador. Voilà. Est-ce qu'il est tout seul? Ouais, ça va, il est tout seul. Ouf, ça rassure. J'aurais pas voulu avoir des jumeaux ou des triplés pour commencer. Oups. Ok, tu vas là. Comme ça, t'es rangé. Pam, pam, pam. T'es où? T'es là. T'as besoin. Oula. Tu vas faire pipi. Ah ouais, non. Par contre, un truc que je voulais vérifier. Ouais, non, pour Sasaki, ça va pas le faire. Tu ne t'appelles pas Sasaki, tu t'appelles Legacy. Donc on va te remettre en Legacy. Donc on a dit que tu t'appelais Legacy. On ne peut pas changer le nom. Toi, tu vas prendre le nom de Legacy aussi, vu que tu es marié avec non. Un Y, s'il te plaît, merci. Du coup, on n'avait jamais regardé ses traits, c'est vrai. Donc il est membre d'un groupe de potes, il est actif et il est génie. Eh ben, c'est bon. Eh ben le mur, ça va être pour lui. Je le sens. Et nous revoilà. Bon, Anakin, il pleure déjà. Donc c'est maman qui va s'en occuper. Il veut quoi? Le bichon. Petit bichon, il veut quoi? Nourrir au biberon. Changer la couche. Bercer. Bon, Masato. Il n'a même pas remarqué qu'ils sont faits cette année. Elle a besoin de pisser, ben, il ira après. Et cousi cousi, et les petits bébés, il est beau les petits bébés. Montre un peu sa bouille. En même temps, tous les bébés ont la même tête. Hein. Coucou Anna. Coucou Anakin. Ok. Voilà, la compétence parent, c'est cool. Ouais, gousi gousi, poutou poutou, c'est cool. Allez, pipi. Non, pas toi. Non, non, pas toi. Pas toi, j'ai dit elle. J'ai toujours appris de travail. Elle part travailler, d'accord. D'accord, j'avais pas fait attention. Pas travailler dur. Hein. Elle vient à peine d'accoucher, la meuf, elle repart travailler. Ok, logique. Jouer. On s'en tape, toi tu joues. Non, j'essaie quelque chose. Le mur. Grimper. Voilà. Est-ce que ça va te faire augmenter ou pas ton divertissement? Non, ça ne m'amuse pas. Allez. Oula. Allez, Massa. Allez, Massa. Tu peux le faire, vas-y. Ah si, ça m'augmente. Et il est doué, hein. Bon, Anakin, il fait dodo, c'est très bien. Du portfolio grâce à la résidence d'artiste dans cette ferme,
Port dispose de 2 mois entiers pour créer l'œuvre majeure de son portfolio. Cela lui fait se poser la question suivante. Doit-elle faire une œuvre expérimentale ou quelque chose de plus accessible? Bon, on fait quelque chose de plus accessible. Idée de performance, c'est cool, c'est ce qu'il fallait faire. Oula, je crois qu'il est tombé. C'est reparti? Ok. J'ai rien fait, c'est lui qui a relancé le bazar. D'accord. En tout cas, elle a l'air fière de lui. Hein? C'est les biceps qu'il a. Ah non, tu peux pas. Non, je le ferai que. Bon. Tu vas continuer. Hop. Have a joy. Bon, allez. Tant que Anakin ne dit rien. Bon, c'est bien beau tout ça, il faut quand même penser à ton travail. T'as toujours pas commencé la mixo. T'es au niveau de la compétence fitness. Et tu pues. Et tu pues. Ouais, c'est toi qui pues. Hop. Tu irais te laver après, ce jour bien que tu lises la mixologie. Hop, voilà. Tant qu'Anakin ne dit rien, on va en profiter. Le travail de Masato commence dans 1 heure, donc ça m'étonnerait. Oui, tu pues. C'est pour ça que je te demande de lire ton livre. Kinnard. Yves Kinnard. Ouais, bon, par contre, il lira une autre fois, parce que... quand même pas le faire aller travailler, alors qu'il pue prendre un bain. Je vais le mettre dans son inventaire, comme ça je saurai où il est. Bon, tu reviens à quelle heure? À 19h, mais tu ne travailles pas demain. Ça, c'est cool. Bon, il y a Anakin, il a fait popo dans le lounge. Il a fait caca. Anakin. Et toi, gamin, t'es qui? Jules Petit. Mais tu peux partir. C'est bon, il est parti. Non. Ah, j'allais dire, tu peux t'habiller, hein. Je croyais qu'il allait partir au travail à poil, le mec. On a qui n'a été mis à la gare de Ribé, s'en occuperont. Hop, 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 attends. Toups. Non. Non plus, Christophe, t'as putain d'extraterrestre, alors non. Oh, putain, c'est quoi, gros. Gne, gne, gne. Dominique, on sort. Fou. Alors, toi. Ouais. Ramener 580 peut-être rentrer de la garderie. C'est cool. Tu vas pouvoir t'en occuper. Non, pas toi. Toi. Sans plus de maths, tu ne travailles pas. Il s'est endormi, le pauvre. On lui a même pas changé la couche à la garderie, quoi. Oh, c'est honteux. Honteux. Nourrir au biberon. Et de dîner. Comme ça, il sera bien, le petit Anakin. Pauvre petit bouchon. Qui s'en vilain à la garderie. Mon petit loulou va. Allez, à câlin. Poutou, poutou. Oui, tu es le petit bébé du. Oui, tu es le plus beau petit bébé. Mais oui, tu es le beau petit bébé à sa maman. Allez. Ça va, Pan, tu peux le reposer maintenant. Tu peux le reposer. Là. Là. Allez. Oui, ça va. On a vu qu'il était mignon, ton fils. C'est bon. Voilà, c'est bon. Oh, Caleb Vatter, non. Par contre, tu peux venir tout récolter. Mais non, Caleb, je t'ai dit non déjà. Dans 2 minutes, vous allez voir, il va réappliquer, j'en suis certaine. Arroser, oui. Tu peux toujours pas... Non. Non. Alors, on va vendre tout ça. Oups. Et tu vas me relire ce fichu bouquin de jardinage. Oups. Peut-être qu'au niveau 2, tu pourras. Allez. Stop. Yes, tu peux. Ok, c'est bon. Hop. Et hop. On s'en fout. Pour la suite, je n'ai plus besoin. Donc, tu me refous ça là-dedans. C'est cool. Alors.
Un, deux. Allez, trois, fais voler celui-là. Mais bon. Ben oui. Ok. Par contre, non, tu vas pas aller dormir. Tu vas faire pipi, prendre une douche et tu vas attendre Masato. Ok. Divertissement, bah écoute, tu peux jouer à ça. En attendant le retour de Masato. Ben voilà. Je vais te parler de lui pour qu'il ramène sa fraise. On va essayer de refaire un bébé. Hop. Et tu peux déposer la tablette maintenant. C'est cool. Allez, dépose la tablette. On l'a foutu sur son inventaire. Ah ouais. Bon, ce qu'elle a mis. Prends la tablette. Ouh. La tablette. Stop. Oui. Parce qu'elle a mis maintenant. J'ai dit tu la ranges comme ça. Bon, Anna, il est gentil. Oula, 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 oula. On se calme, on se calme. Bon, stop. Toi, pouvoir faire dodo. Toi, allez manger. Et où est-ce qu'elle est partie? Et où est-ce qu'elle est partie? Mais non, tu vas dormir et puis c'est tout. Y a Anna qui pleure. Bon, le mec il devrait se refaire à bouffer alors qu'il y a 36 000 trucs dans le frigo. Logique. Tu vas t'occuper d'Anakin s'il te plaît, merci. Oui, c'est un beau petit bébé, il est tout mignon. Bisous, bisous, câlin, guibouille, guibouille. Gouzi, gouzi. Allez, et tu le berces pour l'endormir. Merci. Allez. Allez, fais-lui des gouzi, gouzi. Et des poutou, poutou, et tout, et tout, et tout. Oui, il est beau, les petits nobous. Guili, guili, et poutou, poutou, guili, guili, c'est très bien. Si tu peux éviter de l'exciter, parce que sinon, il fera pas dodo. Allez, tu le berces. Allez. Voilà, tu le berces, logiquement, il va faire dodo. Allez. Laisse-le faire dodo. Chaque mois, elle devrait s'endormir, vu qu'on l'a bercé. Compétence 6, c'est cool. Bon, Anna, tu peux faire dodo, hein. Anakin, tu peux faire dodo. Bon. Et le pire, c'est qu'il s'est fait une portion pour lui, quoi. Ah, limite, tu aurais pu faire un plat complet que je te mette au frigo pour tout le monde, hein. Enfin, pour toi et pour Pan. Non, le mec, il fait pour lui. Ok, ok, c'est bon. C'est un mec, quoi. Je vais faire incendier par tous les hommes. Non, mais c'est... Voilà. Ouais, bon, c'est bon. On va dire que t'as assez mangé. On va faire dodo parce qu'il est 2 h du matin. 3 h même. Allez, dodo. Hop. C'est bon, tout le monde fait dodo. Je sais, je n'ai pas regardé si Pan était enceinte. Je le ferai dans le prochain épisode. Eh oui. Il pleure. Stop. Toi. T'occuper de ton fils. Et hop, voilà. Alors, pour ta carrière, niveau 8 de la compétence peinture. Bon, ça tombe bien, on a besoin de sous. Par contre, lui, je sais pas si je vais le garder ou pas en fait. Prends de la place, il coûte cher. Niveau 2 de la compétence par an, c'est chouette. L'autre là qui rit en dormant. Allez! Christophe, non.
T'es vite, t'es borné. Bientôt l'anniversaire d'Anakin déjà. Je crois que dans le prochain épisode, on verra la bouille d'Anakin Bambin. Et on saura si Anakin va avoir un petit frère ou une petite sœur. Stop. Toi, ma chère chouette, niveau de la compétence mixologie, tu vas commencer par aller faire pipi. Sinon, tu vas me casser les couilles à vouloir y aller. Mixologie, non, ça c'est jardinage. Voilà. Il est aux toilettes. Ok. Ok. Ça peut te faire augmenter. Top, j'aurais bien regardé. Ouais, il manque plus que ça, il pourra passer. Il aura sa promotion. Donc je m'en fous de tes besoins. Tout ce que je veux, c'est que tu montes ça. C'est logique. Écrive la dalle. T'as faim. Oui. Voilà. Tu fais pas comme le zigoto ici. Tu vas te chercher à manger. Tu commences pas à cuisiner. Voilà, c'est très bien. Allez. Tu travailles dans combien de temps? Parce que je veux que tu aies fini ton livre avant. Dans 3 heures. Ben, t'as 3 heures pour finir ton livre. Enfin, pas finir le livre, mais finir ta barre d'aspiration. De compétences. Hop, stop, 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 stop. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, merci. Oh là. Non. Non. Ce que je voulais faire. Ah oui. Terminer ta toile. Bah c'est fini. Ah, c'est fini ça. Moi, ouais, d'accord. Ok, bah. Si tu veux, hein. Moi, ça vaut pas 300 pouces pour moi. Allez, toi! Oui, au lieu de rigoler dans le miroir. Allez, surveille ta barre. Toi aussi, tu la montes. Oui, mais. Non, je t'explique. Non, quand je te dis de finir ton livre, tu finis ton livre. Et tu l'as mis où d'ailleurs? Ouh, ton livre! Il l'a foutu là. Tu relis et puis c'est tout. Rien à battre, tu boufferas au travail. T'es cuisinier en plus donc. T'auras de quoi faire. Le travail de Masato commence dans 1 heure. Il te reste 1 heure pour finir ça. Anakin est un bébé très sage. Non, tu dégages. J'aime pas qu'il y ait des gens sur mon terrain. Et apparemment, c'est un nouveau parce qu'il a le... Ah non, j'ai rien dit, je crois qu'il avait une tenue. Du nouveau kit. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, just go away. Tu dégages. Mixologue, c'est très bien. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu vas... Voilà, mettre un déjeuner dans le sac en papier. Sans du chopper de cacahuètes. Ça te fera manger au travail. Allez. Et non, mais oh, c'est la foire aux visites ici ou quoi? Toi aussi, tu dégages, gamin. Jules Petit. Au revoir, Jules. Stop. C'est bien de le préparer, mais il faut le prendre avec toi. Hein. Parce que l'hiver doit pas décider. Ok. Logiquement, il aura sa promotion. Toi, tu... Bon, ce chef... Ah, c'est un chef-d'œuvre en plus. Juste au moment où Anakin réclame. Après tu le berces avec biberon, à poutou poutou calinou, c'est cool, tu peux refaire une toile.
Oh putain, c'est pas vrai. Je suis de m'occuper de toi. Hein. Non, pas abandonner la toile, tu la reprends. Voilà. Tu peux qu'on me faire un chef-d'œuvre? Ce serait cool. Je vais attendre que ma ça te revienne. Elle a fini. Ok, vendre un collectionneur. On continue. Ces barres sont toujours dans le verre, donc c'est bon. Anakin ne dit toujours rien. J'ai déjà eu des bébés bien plus chiants que lui. Franchement, il est calme. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, donc c'est très. Ses aspirations et tout ça. Tout ce sera généré aléatoirement par un programme que j'ai sur l'iPhone. Donc je ne déciderai en rien de ses traits de caractère, ni de son aspiration, et encore moins de son métier. Si c'est lui l'héritier. Parce que les autres, je les ferai partir de toute façon. Donc je ne garderai que l'héritier. Nourrir au biberon. Et tu le berces. Hop, il avait juste fait le petit bébé. Ok, c'est bon. Pourquoi il pleure encore? Changer la couche sale. Ça va pas le dire avant. Allez, berce une dernière fois pour l'endormir. Souvent, ça fait l'effet que ça les endort. Fais pipi comme une championne si ça peut te faire plaisir. Mais après, tu me continues tes toiles jusqu'à ce que tu sois au niveau 10. 10, non, pas encore. 8. Je crois que c'est 8 qu'elle doit arriver. Oui, c'est 8. Et après, la stratégie. Donc, il faudra un échiquier. Oh, il faudra un échiquier. Hop, tu vas te laver les mains. Et tu repars à tes toiles. Et logiquement, tu devrais avoir le point. Non, Patrick. Tu devrais avoir le point. Ils ne laisseront pas finir. Tu devrais avoir le point avant de finir ta toile. Bon, toi, tu es promu mixologue. Tu gagneras désormais 9 simflous de plus par heure, soit 35 simflous de l'heure au total. Tu as également reçu un bonus 515 simflous et un évier que je vais aller vendre parce qu'à mon avis, c'est encore un truc horrible. C'est ce que je disais. Alors, tiap, tiap. Ben, t'as fait, tu vas aller faire à manger parce qu'à mon avis, tu vas en avoir besoin. Niveau 2. Mais non, c'est pas toi. C'est toi. Niveau 3 de la compétence mixologie. Et préparer des boissons. Bon, on va faire d'une pierre deux coups. Parce que ça va me pomper aussi, non? Tac, tac. Tac. Celui-là. Ok. Ça sort de rien du tout, mon terrain. Mais non, pas faire de l'exercice, c'est le bar que je veux. Ouh, le bar! S'entraîner à préparer des boissons belles, voilà, c'est ça. Ah mais non, je sais pas si ça a marché. Pour la compétence, oui. Ce machin-là, non. Donc, tu vas faire des boissons. Préparer une boisson, sa boisson préférée. Préparer une boisson, ta boisson préférée. Boisson, ta boisson préférée. Ça va t'occuper un petit peu. Toi, allez. Allez, t'y es presque, ma cocotte. Allez, yes. C'est cool. C'est cool. Et on vient d'être spoilé avec son bedon. Donc elle est bien enceinte. Ah ah ah, ça n'a pas attendu l'épisode prochain. Par contre, tu pars travailler ou tu vas le voir? Non, tu vas voir Masato. Bon, tu reprends ta toile. C'est pas parce que tu viens de finir. Anakin y fait dodo. Par contre, je suis complètement décalée pour les heures et ça m'embête. Donc ce que tu vas faire, tu as faim. Bah écoute, tu vas manger. Tu vas aller prendre une douche et tu vas aller dormir. Mais je veux que tu termines d'abord cette toile. Ok, c'est bon. Tu vas manger. Toi, t'as besoin de pisser. Ok, ok.
En plus, ça me rapporte des sous ce qu'il fait. Oui, va utiliser les toilettes. Je pensais pouvoir attendre l'épisode prochain. Eh ben non, je me suis fait avoir. Alors, bon, c'est pas grave. Je vais peut-être continuer jusqu'à l'accouchement. Cet épisode, on va voir. Masato, qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, toujours des poissons. Des poissons. Des boissons. Prépare une boisson, sa boisson préférée. Est-ce que tu... 75%. Non. Ma maison ressemble à rien du tout. Hop, c'est bon. Non, non, tu la bois pas. Tu la bois pas. Oh, non, non. On s'entraîne à préparer des boissons. Tu la déposes, s'il te plaît. Thank you. Stop. Toi, tu es parti dormir, ok? Écoute, je vais te faire dormir aussi. Hop. Je suis à 27 minutes de vidéo. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Stop. Et voilà. Bon, on a déjà pas mal avancé. Olivia, on s'en tape. Masato, dans cet épisode, vient d'avoir une promotion. Bon, on n'est pas loin de la sienne, je pense. Ouais, il faudra juste qu'elle lui monte son niveau de logique. On va d'avoir le petit Anakin qui vient de naître. Du coup, on est sûr que la suite du Legacy est assurée. Elle est de nouveau enceinte. Donc, si c'est une fille, bah, elle ne sera pas éligible. Si c'est un garçon, il sera soumis au vote avec Anakin. C'est vous qui voterez pour celui que vous voulez voir pour héritier suivant. Bah, je crois qu'on a tout dit. Je vérifie, lui. Ouais, donc juste mixologie au niveau 4. Il avance pas mal aussi, même si je pense que j'arriverai jamais à la fin. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On va quand même tout faire pour essayer de finir sa carrière. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.